Abonnez-vous et activez la cloche de notification, comme ça. Christian de la Campa est né à Guadalajara, au Mexique, le 15 novembre 1981. Il est un acteur et un modèle mexicain. Actuellement, Christian de la Campa travaille pour le réseau de production TV AZK. Vous avez tout compris. Aujourd'hui, on va vous parler de Christian de la Campa. Il a commencé sa carrière en modélisation et a participé à plusieurs concours de mannequins. En 2010, il a travaillé comme mannequin pour le Victoria's Secret Fashion Show. La même année, il a été diplômé en tant qu'acteur au Centre d'éducation artistique de Televisa. En 2011, il a participé à l'événement de Mister Mexique. Il a représenté le Mexique dans Mister Universe Model 2011 où il a réussi à être finaliste et était à la 6e place. Il a également été élu Mister Ocean World en 2011. En tant qu'acteur, il a commencé sa carrière sur la chaîne de télévision mexicaine Televisa, où il a participé aux telenovelas Amorcito Corazón et Una Familia Con Suerte. En 2012, il rejoint Telemundo et a participé à des feuilletons tels que Relación Peligrosa en 2012, La Patrona en 2013 en tant que le méchant Alberto Espino et aussi dans Santa Diabla en tant que Franco Garcia et René Alonso. Il a aussi joué dans le même réseau dans Terre de Passion Antane. Que Samuel Gallardo. En 2016, il revient à Televisa pour jouer dans la telenovela Vino et la mort avec Irina Baeva, Gabriel Soto et Kimberly Do Ramos. En 2017, il a joué dans La Ira Prodiga. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, comme ça.